Salut à tous, salut à toutes, c'est Chichi pour Kill Tilt. Et ouais, nouveau décor. Au poker, il est très difficile de donner un seul et unique nom lorsqu'on vous pose la question de qui est le meilleur joueur du monde. Alors évidemment, cette réponse est différente en fonction des époques, mais globalement, quand vous interrogez les plus grandes légendes de ce jeu, un nom revient régulièrement. Un nom qui fait à la fois fantasmer les passionnés de cartes, mais qui les rend également nostalgiques d'une époque qui n'est plus. Un joueur qui était si talentueux que plus personne n'osait l'affronter dans certains jeux, et malheureusement, un nom qui avait une face si sombre qu'il n'aura pas la fin lumineuse qui lui était promise. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans la vie du plus grand joueur de cartes de tous les temps, un joueur qui a une vie digne de l'une des plus grandes séries Netflix. D'ailleurs, il y a eu un film sur sa vie, alors personnellement, clairement, je vous le conseille pas. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans la vie de Stu Hangar. Parce que tout le monde n'a pas le talent inné de Stu Hangar, sachez que actuellement, toutes nos masterclass progressées au poker sont à moins 30%, soit une économie de 150 € et ce jusqu'au dimanche 14 mai inclus. Donc si vous voulez passer en gros cap dans votre jeu et mettre toutes les chances de votre côté pour monter de limite et faire décoller votre bankroll, que ce soit en tournoi ou en cash game, profitez-en. Il y a des vidéos techniques et théoriques ainsi que des vidéos d'analyse et de review pour vous expliquer tous les concepts et bien entendu il y a également une partie mentale pour vous empêcher de partir en tilt. D'ailleurs peut-être que Stu aurait eu besoin de bosser cette partie du jeu. Attention, je rappelle que cette promo expirera le dimanche 14 mai à minuit, donc profitez-en pour cliquer sur le lien en description. Et maintenant, plongeons-nous dans la vie complètement folle de cette légende du jeu. Stu Hangar, de son nom complet Stu Harold Hangar, est né en 1953 à New York dans une famille juive et vous allez voir qu'il ne lui faudra pas très longtemps avant d'atterrir dans un bar de paris sportifs. Voilà, évidemment, pas de panique, c'est pas au bout d'une semaine qu'il a commencé à picoler et à se lancer dans les cartes et les paris sportifs, mais ça, vous allez voir que ça va arriver très rapidement. Alors pourquoi atterrit-il si vite dans un bar de jeu? La raison est toute simple, son père Ido est le tenancier d'un bar qui s'appelle le Fox Corner et qui lui sert également de couverture car en fait il s'agit de l'un des plus gros bookmakers de New York. Proche de l'une des plus grandes familles mafieuses de la ville, les Genovese, Ido est beaucoup plus à l'aise avec les chiffres qu'avec les lettres. C'est d'ailleurs l'un des rares points communs qu'il va avoir avec son fils. Donc pendant que son père fricote avec la mafia, Stu lui grandit tranquillement, se familiarise beaucoup avec les chiffres, beaucoup plus qu'avec les mots, c'est le petit point commun avec son père, et il va devenir une machine de calcul, il va d'ailleurs sauter plusieurs classes, et à l'école il est déjà reconnu un petit peu comme un petit génie. Alors pourquoi cela? Bah Stu il possède un petit plus. Un petit plus qui va faire la différence dans quelques temps, et vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce que Stu possède une mémoire photographique. Et après l'école, il va commencer par aider son père, notamment en équilibrant les cotes des paris sportifs, et ça, c'est un talent que la mafia va commencer à remarquer et donc à chouchouter le petit Stu. Il va commencer même très jeune à passer du temps dans les arrière-salles enfumées, dans ces fameuses salles où des parties clandestines de jeux de cartes ont lieu, et Stu va très régulièrement poser son cul sur une chaise, observer tout ce qui se passe et avec sa mémoire photographique, commencer à comprendre comment fonctionne tel ou tel jeu de cartes. Et il va y avoir un jeu qui va retenir son attention et ça, on va en parler très rapidement. Et non, ce n'est pas encore le poker. À l'âge où certains rentrent en 6ème, lui, il va commencer à jouer et à gagner ses premières parties, il va se faire quelques sous qu'il va aussitôt reperdre en paris hippique. Le gamin a 10 ans et déjà la folie du jeu l'envahit. Une folie que son père va tenter au maximum de contrôler, ayant affaire très régulièrement en tant que bookmaker à des joueurs addicts qui perdent tout, il ne veut pas que son fils prenne le même chemin. Malheureusement, la plupart de ses efforts vont généralement faire face à un mur. Quelques courtes années plus tard, Ido meurt et à ce moment-là, Stu est seulement âgé de 13 ans. Sans revenu pour sa famille, il va décider d'arrêter l'école et de se lancer tête baissée, mais avec les yeux grands ouverts, dans les jeux de cartes et notamment dans ce fameux jeu qui avait retenu son attention il y a quelques années, le Gin Rummy. Le Gin est un jeu à la mode à cette époque, composé de 52 cartes, c'est un jeu très stratégique mais avec des règles globalement assez simples qui se rapproche un petit peu du fameux poker des cowboys, le 5 card draw pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire qu'il va falloir observer ce qu'il se passe à la table, décrypter un petit peu les tendances de ses adversaires, comment ils placent leur jeu, les cartes qu'ils défaussent, les cartes qu'ils ramassent, et donc vous vous en doutez, à ce jeu-là, avoir une mémoire photographique, ça pourrait aider.
ce jeu va lui permettre de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, et ses exploits ne vont pas rester très longtemps sous les radars, et notamment à cause de son physique qui dénote. Ouais, je vous laisse un petit peu imaginer la scène. On a un petit jeune maigrichon d'1m50 pour 40 kg qui se retrouve dans des arrières-salles enfumées et qui tient la dragée haute au gros baron de la mafia, carte en main. Forcément, ça fait parler. Et justement, la mafia dans toute cette histoire va mettre son petit grain de sel. Victor Romano, l'un des pontes de la mafia genovese, s'est lié d'affection pour Stu et il va le prendre sous son aile. D'ailleurs, on va voir que ça va devenir un petit peu son second père. Ils ont plusieurs points en commun. Le premier, c'est que Victor est un homme très intelligent. Il est capable notamment de réciter le dictionnaire mot à mot. Il le connaît par cœur. Alors ça, par contre, ne me demandez pas vraiment à quoi ça sert. J'en ai vraiment aucune idée. Mais on va pouvoir dire un petit peu que c'est un talent. Au-delà de ça, il a une vraie affection pour les probabilités. Il est très fort là-dedans, il est très fort avec les chiffres, très à l'aise avec les maths. Et donc ça, ça fait quand même un très très gros point commun avec le petit Stu. Les deux vont développer une profonde amitié et Victor va être son mentor. Le truc avec Victor, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il est pas bête. Donc il a vraiment flairé la bonne affaire avec Stu. Il va tout faire pour le garder en bonne santé. Il va tout faire également pour le tenir au maximum éloigné de ses addictions. Une machine à fric, ça s'entretient. Nourri, logé, blanchi, Stu devient le fils adoptif de la mafia qui s'occupe à la fois de ses finances et de sa protection. Et à ce sujet, un jour, sûrement d'ailleurs par le plus grand des hasards, un adversaire à la fin d'une partie qui était complètement en tilt a jeté sa chaise au visage de Stu et malencontreusement pour lui, le lendemain, il a été retrouvé au fond de son usine, une balle dans la tête. Il faut dire que Stu est connu pour être un grand chambreur et qu'il n'a pas du tout la victoire modeste et forcément dans un milieu comme celui-ci, ça énerve. D'ailleurs, Stu dira « Je ne veux pas qu'on dise de moi que je suis un bon perdant est un perdant avant tout ». Voilà, ça, ça place un petit peu l'esprit du bonhomme, c'est soit tu gagnes et t'es un champion, soit tu perds, et en gros, t'es une grosse merde. Au bout d'un moment, comme Stu gagne tout et tout le temps contre tout le monde, forcément les adversaires vont venir à manquer, ça devient un vrai problème pour la mafia qui voit le rendement de sa poule aux œufs d'or finalement diminuer, et ils vont réfléchir un petit peu à une solution pour combler ce problème. La mafia va donc décider d'élargir la zone de combat du jeune Stu et elle va faire venir l'un des meilleurs joueurs de l'état, un joueur du nom d'Harry Stein. À ce moment-là, Harry Stein est considéré comme l'un des meilleurs joueurs des États-Unis et lui ne va pas refuser ce tête-à-tête parce qu'il n'a pas encore entendu parler de Stu. En effet, pour le moment, Stu est extrêmement connu dans l'état de New York, mais son nom n'a pas encore vraiment dépassé les frontières de cet état. Et c'est quelques jours plus tard qu'Harry Stein débarque dans un hôtel et qui va, derrière une armée de gros bras, découvrir son adversaire. Stu Hungar, ce jeune adolescent encore chétif, qui va tout simplement le regarder dans les yeux et lui dire « C'est contre moi que tu joues ». Leur affrontement va durer toute une nuit. Alors non, ne vous attendez pas à ce moment-là que je balance une petite musique épique et que je parte dans des longues phrases pour maintenir un suspense. Il n'y a tout simplement eu aucun match. Stu l'a éclaté 86-0. Et d'ailleurs, Stein a extrêmement mal vécu ce moment qu'il a vécu comme une humiliation et il va décider après cette nuit d'arrêter totalement de jouer au Gin Rummy. Suite à cette partie, plus personne ne voudra jouer contre Stu au Gin Rummy dans tout l'est des États-Unis. Il va donc falloir élargir le champ des possibles. Il va falloir partir à Las Vegas. Nous sommes donc en 1976 quand Stu Hungar décide de partir à Las Vegas pour trouver des joueurs qui ne refuseront pas de l'affronter, mais également parce qu'il a quand même quelques dettes de jeu au derrière. Ouais, parce que pendant ce temps-là, il était toujours addict au pari sportif et aussi au pari hippique. Il a donc une petite dette de 20 000 $ qui lui colle au cul. À son arrivée à Vegas, Stu ne roule pas sur l'or, il a 1 500 $ en poche. Il va tout mettre dans un tournoi de gin. Évidemment, un tournoi qu'il va remporter. Ouais, on est un génie ou on ne l'est pas. Il va donc renflouer ses caisses de 50 000 $. Il n'a à ce moment-là que 23 ans. Et encore une fois, à la fin de l'année, et il ne faudra vraiment du coup encore une fois pas longtemps, bah, plus personne va vouloir l'affronter au gin, même à Las Vegas. Entre-temps, bah, bien évidemment, Stu il a fait ses armes dans un petit peu tous les casinos. Il a découvert 2-3 jeux. Il a notamment découvert le Blackjack. Parfait pour lui, un jeu encore une fois où sa capacité de mémoire photographique va lui être très lucrative, à un point tellement énorme qu'il va être
tout simplement interdit de jeu et de jouer au blackjack dans tous les casinos de Las Vegas. Il va malgré tout, grâce à son habileté au blackjack et surtout grâce à son habileté à compter les cartes, remporter un nouveau gros billet, puisque l'un des propriétaires dans les casinos de Las Vegas, Bob Stupak... Non, rien à voir. Bob Stupak, le propriétaire du casino Vegas World de l'époque, qui va parier contre Stu Hangar sur son habileté à compter les jeux de cartes dans un sabot de 6 paquets. Évidemment, il va deviner l'ordre de toutes les cartes. Bah, encore une fois, hein, t'es un génie ou tu l'es pas. Et il va remporter un chèque de 100 000 $ supplémentaire. Alors, le souci, c'est que, encore une fois, son argent va être dépensé dans la semaine. Tu dépenses toujours sans compter, il dépense tout son argent en alcool, en drogue, en femmes et surtout en paris sportifs. Il va d'ailleurs commencer à jouer au golf à Las Vegas et il va commencer du coup à faire des paris sur ses propres parties de golf. Le problème, c'est qu'il va affronter des joueurs beaucoup plus forts que lui et dont certains sont très connus, Doyle Brunson, Puggy Person ou Jack Straus. Et c'est donc au contact de ces trois personnes qu'une idée va germer dans sa tête. Il va commencer à s'intéresser au poker. C'était sans aucun doute l'une de ses meilleures idées, puisque lors de sa toute première partie de golf, il a perdu 75 000 $ contre Jack Straus. Il n'a donc, ça, vous l'avez compris, aucune gestion de son argent, mais qu'importe, parce que pour lui, au final, sa mentalité, c'est qu'il est capable d'en regagner toujours extrêmement facilement. Donc même s'il en perd énormément en paris sportif, dans sa tête, il n'y a aucun souci. Pour lui, l'argent des jeux, c'est facile, il a un talent pour ça. Le problème, c'est qu'il y a peut-être un moment où ça va finir par tourner. Quelques temps après, quand cette idée de se mettre au poker a germé, il a fait ses armes, il a évidemment réussi, et c'est en 1980 qu'il va commencer à s'inscrire à ses tout premiers WSOP. Les WSOP, je vous le rappelle, ce sont tout simplement les championnats du monde de poker. Et dans ces championnats du monde, il y a un tournoi qui fait rêver tous les joueurs de poker du monde, le plus grand tournoi du monde, le Main Event. Et à l'amorce du troisième jour du Main Event, nous sommes en table finale. À ce moment-là, Gabe Kaplan, ouais, le célèbre commentateur, est chip leader. Et il y a également deux légendes qui entourent Stu, Johnny Moss et Doyle Brunson. Et c'est d'ailleurs contre Doyle Brunson que Stu, le jour suivant, va se retrouver pour le tête-à-tête final. Et que va arriver la dernière main. À ce moment-là, Stu avait environ 110 000 jetons de plus que Doyle. Et ils vont aller voir un flop, As-7-2. Sur ce flop, Doyle possède As-7 pour une double paire et va faire son continuation bet à 10 000 $. Stu va suivre avec un tirage quinte et 4 et 5 en main. La turn va amener un 3 qui donne la quinte max à Stu Hangar et qui va décider de faire une mise s'attendant à ce que Doyle relance, et à ce moment-là, il ne fut pas déçu. Doyle va relancer à tapis et ne va pas pouvoir améliorer sa main, ce qui va faire de Stu Hangar le champion du monde de poker en 1980, et il va également gagner pour sa performance 365 000 dollars. Après ce tête-à-tête, Doyle déclara « Stu me rappelle Puggy Person jeune. Il fait les choses naturellement et elles vont dans son sens. Un jour, il sera le plus grand joueur de tous les temps. » Dire ça de Stu après seulement une édition des WSOP, c'était osé de la part de Papa Doyle, mais on va voir que la légende connaît quand même très bien son domaine, puisqu'il ne va pas falloir beaucoup de temps avant que ses mots deviennent réalité. Et quand je vous dis que ça va arriver vite, il va tout simplement falloir attendre l'édition d'après pour voir encore une fois Stu Hangar remporter ce titre de champion du monde consécutivement. Deux éditions des WSOP et deux titres de champion du Main Event en poche pour Stu Hangar. Il va bien entendu pouvoir fêter ça tranquillement. Il va d'ailleurs l'année d'après se poser un petit peu et calmer un poil ses addictions, notamment et grâce à son mariage avec Madeline et avec la naissance de Stéphanie, sa fille, la même année. Suite à son mariage, il va également adopter Richie. Richie qui est donc le fils de Madeline, issu d'un précédent mariage. Durant les années qui suivent, globalement, tout roule plutôt pas mal pour Stu, qui continue de combattre ses addictions et qui en parallèle gagne quasiment tout ce qu'il joue, puisqu'il a participé à 30 tournois, et sur les 30 tournois, il en a gagné 10. Et à ce moment-là, le schéma financier de Stu est relativement simple, c'est soit il est fauché, soit il investit tout ce qu'il a, tout le budget qu'il possède, pour jouer les plus grosses parties qu'il peut. On va pas se mentir, cette strat, je suis pas persuadé que sur le long terme, ça fonctionne de ouf. Heureusement pour lui, il a des statistiques tout simplement hallucinantes, car si on regarde un petit peu le nombre de tournois qu'il a joué et sa réussite, sur tous les tournois de Gin qu'il a joué, il en a gagné 2 sur 3.
et sur tous les tournois de poker qu'il a joué, il en a gagné 1 sur 3. Alors certes, je vous l'accorde, à l'époque, ces tournois-là ne possédaient pas des milliers de joueurs, voire des dizaines de milliers de joueurs, comme on le voit actuellement, mais quand même, il y avait des centaines de joueurs, et parmi eux, les meilleurs joueurs du monde, les meilleurs joueurs de l'époque. Tuangar était tout simplement en avance sur son temps, il avait compris et vu des choses au poker que ses adversaires n'imaginaient même pas possible à l'époque, mais le plus impressionnant là-dedans, c'est même pas son niveau au poker, c'était son niveau en djinn, puisque là, son niveau n'a tout simplement jamais été égalé. Il a donc littéralement terminé le jeu. D'ailleurs, à ce propos, il dira « Un jour, je serai peut-être assis autour d'une table de hold'em et je rencontrerai un joueur meilleur que moi. J'en doute, mais c'est possible. Mais je vous jure que je ne vois pas comment cela pourrait se produire au djinn. À ce jeu, personne ne sera jamais meilleur que moi. » Ok, il a le boulard, il se la raconte, mais le truc, c'est qu'il a raison. Et pour en ajouter encore plus dans sa légende, il a atteint un niveau au blackjack tellement énorme qu'à l'époque, ça a contraint certains casinos de Las Vegas à changer leurs règles. Ça, c'est la classe. Mais voilà, après la gloire, il y a malheureusement souvent l'obscurité. Et là, les démons ne vont pas vraiment épargner Stu. D'ailleurs, un de ses grands amis qui est devenu par la suite l'un des plus grands commentateurs de poker de l'histoire, Mike Sexton, dira « Stu pouvait battre n'importe qui à n'importe quoi, mais au jeu de la vie, c'était un perdant. » Alors vous vous en doutez, dans ces conditions et avec ce mode de vie difficile de faire perdurer un mariage, en 1986, Madeline et Stu vont divorcer et c'est quelques années après, en 1989 malheureusement, qu'on va retrouver Richie, donc Richie, je le rappelle, son fils adoptif, pendu au fond d'un parking et c'est à ce moment-là que la période noire va démarrer et malheureusement, elle ne va jamais s'arrêter. En 1990, et financé par son ami Billy Baxter, Stu Ungar ne va pas se rendre au dernier jour du main event. Alors à ce moment-là, il est tout simplement chip leader. Alors le truc, c'est qu'il a une bonne excuse, enfin une bonne excuse ou pas, overdose de cocaïne. L'anecdote est à la fois triste, mais en même temps assez folle, parce que malgré tout, il a quand même terminé dans les places payées, puisqu'il va terminer 9e et remporter 20 500 $. Avec sa performance, enfin si on peut appeler ça une performance. Je suis pas sûr. Alors suite à ça, la même année, sa femme va quitter Las Vegas avec sa fille. Pour le coup là, on peut clairement pas leur en vouloir. Stu, lui, de son côté, n'a plus goût à rien, il n'a même plus envie de jouer, il est vraiment totalement perdu, totalement seul, livré à lui-même face à ses démons. Beaucoup de personnes essayent de l'aider, mais bon, c'est clairement pas ce qu'il recherche. Lui, ce qu'il veut, c'est être dans son mal-être. Il veut essayer d'oublier, de se noyer dans ses tourments. À ce moment-là, l'autodestruction, bah, c'est sa zone de confort. Et pour la première fois, et cela va durer pendant de nombreuses années, Stu se retrouve seul. Enfin seul, il a deux meilleurs amis, l'alcool et le sable blanc. Shuffle up and deal. WSOP, Las Vegas. Certains joueurs vont reconnaître le double champion du monde dans un état délabré. Bah, physiquement, pour vous donner un peu une idée, il ressemble globalement au candidat de Koh-Lanta après 2 mois d'aventure. Hein. Donc globalement, il pue et il est dégueulasse. Malgré son état déplorable, Stu va encore une fois réussir à convaincre Billy Baxter de le financer pour les WSOP. Alors évidemment, ce ne sera pas un grand oui tout de suite pour Baxter, il va un petit peu hésiter, mais finalement, il va décider encore une fois de financer Stu. Tout d'abord parce qu'il a évidemment une grande part d'affection pour son ami, et puis il y a également un point financier, c'est que par le passé, il a gagné beaucoup d'argent déjà en finançant Stu. Donc au pire des cas, même si là, il perd son investissement, il est largement gagnant avec Stu sur le long terme. Parce que bon, c'est pas très vendeur quand même. La veille, Stu, il était au casino Orleans pour jouer à un pauvre tournoi à 20 $. Là, il était pas on top. Hein. Pas trop quoi. Et là, on va rentrer dans le marrant ou le triste. C'est un petit peu comme ça, hein, souvent les anecdotes avec Stu. C'est que lors du jour 1, Baxter va passer sa journée à lui amener des litres de café et à venir à la table pour lui mettre tout simplement, mais vraiment en véridique, des grandes gifles devant tout le monde parce que Stu était en train de s'endormir pendant qu'il était en train de jouer. Et ouais, parce que le truc, c'est que les 48 heures avant, il n'avait pas dormi parce qu'il avait essayé de contacter tout le monde pour réussir à se faire financer son tournoi. Mais le truc avec Stu, c'est que même dans son état le plus catastrophique, ça reste un génie parce que grâce à ses talents et à sa lecture, il va encore une fois, donc pour la 3e fois, atteindre la table finale du plus grand tournoi du monde.
Et dans un show incroyable d'agression, d'instinct et de force, Stu remporta le championnat du monde WSOP 1997, dont la table finale se jouait en extérieur, sur Fremont Street. À ce moment-là, la température extérieure est de 38 degrés. Alors ils avaient mis un petit peu de clim sous la table, mais jouer dans ce contexte-là, c'est quand même une prouesse assez folle. Hélas, encore une fois, l'énorme prix cette fois-ci d'$1 million qui a été partagé entre Stu et Baxter sera dépensé en seulement une année. Je rappelle quand même que la veille du tournoi, il était SDF. Le 20 novembre 1998, au numéro 6 du Oasis Motel, un hôtel low cost au bout du strip, une femme de ménage découvre le corps sans vie de Stu Hangar. Aucune drogue ne sera retrouvée dans son appartement et sur les $25 000 qu'on lui avait prêtés quelques jours avant afin de rembourser ses créanciers et de se refaire en tournoi. Ouais, parce que le truc, c'est qu'il a toujours trouvé des gens pour lui prêter de l'argent, parce que même si lui finalement perdait tous ses gains derrière, en tournoi, il a été ultra gagnant et il a fait quand même gagner beaucoup d'argent à ses stackers. Donc c'est ça qui est paradoxal, c'est que lui finalement perdait tout, mais qu'il a fait quand même gagner de l'argent à pas mal de monde. Et donc pour revenir là-dessus, c'est sur les $25 000 qu'il y avait dans son appartement, enfin qu'on lui avait prêté quelques jours avant, justement, on n'a rien retrouvé dans l'appartement à part quelques poignées de dollars par-ci par-là, et personne ne sait, ou en tout cas personne n'a jamais dit où était passé le reste de cet argent. Une autopsie a été faite quelques temps après, elle a prouvé qu'il avait des traces de drogue dans l'organisme, mais pas suffisantes pour être la cause directe de sa mort. Ce qui a été conclu, c'est qu'il serait mort d'un arrêt cardiaque suite à des années et des années de consommation excessive de drogue. Et je rappelle qu'il est mort très jeune, il est mort à seulement 45 ans. Au cours de sa vie, les gains de Stu Hangar sont estimés à plusieurs millions de dollars. À sa mort, seulement $800 sont déclarés à son nom. Avec Johnny Moss, il est le seul joueur ayant remporté 3 fois le main event des World Series of Poker. Et peu de temps avant sa mort, Stu Hangar dira « Tout ce dont j'ai rêvé, je l'ai eu, mais finalement, je n'ai rien ». C'était tout simplement un génie du jeu, un génie des cartes dans son ensemble. Malheureusement, il est parti trop tôt, bouffé et bouffé en profondeur par ses démons et toutes ses addictions. La chose à retenir de ça, c'est que faites attention à ce que vous faites de votre argent. Les jeux de cartes, évidemment, sont quelque chose d'exceptionnel et de génial. Mais attention quand même à ne pas vous laisser gangréner par la folie du jeu. Si vous aimez les WSOP et les histoires complètement folles, je vous laisse avec l'histoire de Mark Newhouse. Il a de la chance, il a du talent et malheureusement, il n'a aucune gestion de son argent. Ciao !